Bon, donc vous voulez sauver la planète. On y pense depuis super longtemps. Depuis plus de 2 ans déjà. D'accord. Ah, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas les seuls au moins. Bah je sais, j'espère. Bon, et vous savez comment la sauver la planète? Ouais. En fait, on a cherché pendant des mois un peu partout. Et puis c'est la section africaine qui a eu la bonne idée. Et depuis, on est tous à peu près d'accord maintenant. Bon, et c'est quoi cette idée? Je vous dirai pas. Pourquoi? Parce qu'on a juré de garder ça secret. Mais c'est la seule solution. Eh ben alors, si c'est la seule solution, on aimerait bien la connaître avec ta maman, la solution. Non? Vous savez qu'elle va sans doute mourir? Qui ça? Bah, la planète. Il fait trop chaud. Et vu qu'il fait trop chaud, bah, il y a des tas d'espèces qui disparaissent chaque jour. Par exemple, les abeilles, les insectes, les vers de terre, les coquelicots. Et bientôt, peut-être la nôtre. Est-ce que vous en avez entendu parler de ça? Bah oui, on parle que de ça. Que bientôt, on pourra plus respirer. Non, ça fait 50 ans qu'on nous dit ça. Et on fait rien? Vous êtes d'accord? C'est comme ça? Non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ça d'abord. De toute façon, vous, les vieux, au fond, vous en foutez. Bah hein? Non, pas du tout. Bah si, vous vous dites, c'est pas pour tout de suite, on a encore le temps d'en profiter. C'est ça que vous vous dites? Bah non, enfin non, on se dit pas ça, non, c'est pas ça qu'on se dit, non. Est-ce que vous avez pensé à moi, ce que j'allais devenir quand on restera que du gaz carbonique? Non. En fait, vous avez jamais pensé à moi. Du coup, moi, je m'inquiète, je m'angoisse même. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants, qui ont un bel avenir. J'ai envie d'être un bon papa, quoi.